بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم. Bon. Dieu dit dans le même chapitre, ومن الذين قالوا, c'est-à-dire le chapitre المائدة, le festin ou la table. ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به, c'est-à-dire ils ont commis la même faute que les Israélites, فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Et parmi les gens qui se présentent comme des chrétiens, Nasara, parce que le judaïsme et le christianisme, ce n'est pas relatif à la religion qui a le même nom. Mais la vraie religion, c'est l'islam, la soumission totale à Dieu. Eux, ils ont choisi un terme bien défini pour se distinguer des autres peuples. Et les premiers sont appelés les Hébreux et les seconds les chrétiens. Or, Abraham, que la paix d'Allah soit sur eux, le père des prophètes des deux franges et des branches, c'est-à-dire celle qui émane de Ishaq, que la paix d'Allah soit sur lui, et celle qui émane de Ismaïl, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc le père commun, c'est Abraham, l'ami intime de Dieu, Khalil Rahman, le miséricordieux. Dieu, il dit que Ibrahim, c'est-à-dire il n'a été ni un hébreu, ni un chrétien. Donc, ces notions-là, ce sont des notions surajoutées de la part de ces deux sectes-là. Donc, on me l'a dit, la Kaloué et Nassar, c'est-à-dire ceux qui se présentent comme des chrétiens, à Khadmanifa, comme Dieu, a scellé un pacte avec eux. Mais ils ont rompu, ils ont oublié beaucoup de choses. Beaucoup d'articles, beaucoup d'alinéas, beaucoup d'items. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. Dieu a voulu les châtier par différents moyens, par le caractère de l'animosité, le caractère de la rancune. C'est-à-dire ils sont des ennemis, pas des frères, pas des amis. En tant que chrétiens, ils sont des ennemis. C'est pourquoi on voit beaucoup de sectes dans l'histoire du christianisme. Donc, Dieu leur a donné ce cadeau empoisonné, si on peut dire ça, pour les châtier ici-bas. Et même dans l'au-delà, ils vont le payer chèrement parce qu'ils n'ont pas le droit de laisser cette religion-là. Il ne faut pas la défigurer. Il ne faut pas la faire dégénérer. C'est-à-dire, ils seront en état de guerre intestine jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection. Et sûrement, Dieu va leur rappeler ce qu'ils ont fait. Yastam ici, c'est-à-dire ce qu'ils ont comme mauvaise action, ce travestissement, ce changement des lois, c'est-à-dire il profère beaucoup de mensonges à propos de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui, n'est pas le fils de Dieu. Marie n'est pas l'épouse de Joseph. Elle n'est pas l'épouse de Dieu. Méfiez-vous, ce que vous avez dit, ce sont des purs mensonges, ça va vous coûter beaucoup de guerres, et rappelez-vous les deux guerres mondiales. C'est un des aspects de la colère divine. Wassalamu ala man ittaba al-huda.